de cavaler aujourd'hui. Je sens, ouais. Les CDD, c'est évident, il y a plein de gens qui sont dans mon cas, et souvent nos CDD sont séparés par plusieurs mois de chômage, voire on a eu même des périodes où il y a eu ça duré un an, deux ans sans travail, donc le nouveau mode de calcul va vraiment nous impacter et nous obliger peut-être à trouver une autre voie de reconversion, tout simplement, et donc ça sera autant d'expériences perdues parce qu'on a tous fait des années et des années d'études, on a plein de gens qui partent, plein de collègues qui partent à la retraite bientôt et qui n'ont pas eu le temps de transmettre leur expérience. Nous, si on choisit un autre travail, on ne reviendra pas là-dedans, donc c'est tout un savoir qui se perd, voilà. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que pendant ces périodes de creux, vous n'avez qu'à trouver un petit boulot d'appoint? C'est ce qu'on a déjà fait tous, simplement c'est pas une solution, puis les jobs d'appoint, il faut voir à quoi ils ressemblent aussi. Nous, on a fait des études spécifiques, on trouve pas n'importe quel travail comme ça. Et si on trouve un autre travail, maintenant il y a beaucoup de gens, je connais des gens qui sont reconvertis, donc il y a certains dans l'éducation nationale, mais pour normalement les diplômes, ils sont jamais revenus dans l'archéologie, alors qu'ils ont fait 5-6 années d'études pour certains, voire même plus, il y en a qui sont en thèse, qui n'arrivent pas à trouver du travail là-dedans. Labo de recherche ni dans le préventif comme nous. Donc non, c'est pas possible. Après, ça dépend quelle société on veut, mais c'est encore une autre question. Et est-ce que ça risque pas à terme en fait de faire vraiment disparaître ou en tout cas s'amenuiser très fortement le travail, ce métier? Oui, se pose déjà la question à notre niveau, puisque il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Il y a tout un pan, tout un savoir qu'ils ont accumulé depuis, on va dire, des décennies, qui est en train de se perdre parce qu'ils vont partir à la retraite, ils ne savent pas à qui le transmettre. Il y a des postes, on ne sait pas s'ils sont retrouvés ou pas, faute des restrictions budgétaires, ça n'a rien à voir obligatoirement avec la situation du revient au travail. Mais du coup, c'est effectivement, ça sera autant de savoir perdu et parce que ça va donner. Il y a des générations qui apprennent aussi l'archéologie, mais c'est ce qu'on va leur apprendre de toute façon. Donc, c'est bien dommage, c'est un métier qui nous sert à tous les niveaux, ne serait-ce qu'il paraît au niveau du tourisme. On a une idée de ce que pourrait faire le gouvernement pour pallier à ça ou...
pour l'honneur des travailleurs. Bah, c'est un choix politique, hein, encore une fois, de toute façon. Hein, le budget, le thème qui se vote. Soyez fiers. Voilà, c'est un choix. Est-ce qu'on décide de mettre de l'argent au niveau de la culture spécifiquement dans l'archéologie, de manière générale. Voilà, il y a ici les pompiers, les infirmières. Alors, c'est vrai qu'on ne sort pas des vies. Hein, moindre, c'est certainement pas une priorité à ce niveau-là, et je le comprends. Mais quel choix on fait, quoi, dans la société, voilà, quoi. Est-ce qu'on veut privatiser tous ces domaines, allant de la culture, en passant par l'éducation, les soins, encore de regarder ces institutions de manière collective. Voilà, nous, en tout cas, on est là pour que ça reste collectif. D'accord. Et juste pour savoir, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 36 ans. Voilà. J'ai encore quelques années avant la retraite, mais ça se prépare maintenant, quoi. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup pour ce petit point d'explication. Dans la grève de la manifestation, rendez-vous jeudi, 14h, place de Zeus, tous ensemble, à jeudi. On est pareil, comme vous. On est comme vous.
on prend sur des autres. C'est pourquoi on n'est pas militaire, policier. Mais juste, la vérité, c'est la vérité. On veut dormir dans une maison, il fait froid, Europe. Si vous nous voyez qu'on est black, c'est nous qui avons construit Europe. C'est nous qui avons construit États-Unis. Il faut regarder dans l'histoire. Laissez gens dormir dans la maison. Il y a des maisons fermées. Il y a des qui sont dehors. Est-ce que vous êtes fiers? On a besoin de votre intelligence. Vous nous guidez. On a besoin des maisons dormies. Maisons dormies. Dormies. On veut pas votre vie créateur. On veut maisons dormies. La démocratie, c'est la révolution française qui se prépare. Vous l'aurez voulu? Vous l'aurez voulu? C'était une feinte. Polygone énorme. Si c'est fermé. Ah ouais, ils ont été efficaces.
pardon. Un papa pincé ? C'est pas vrai ! Oui. Ils veulent pas. Oh, Marie-Lise ! Oh, Marie-Lise ! Allez. N'importe quoi. Il y a des secours qui arrivent ou pas? Normalement oui, mais... Il y a une pièce. Ah, désolé. Il a pas de... Encore par la police. Il a dit ok, prends des photos. Plusieurs par week-end, qui s'éclatent. T'as eu de la crimo? Bravo. Ouais. Un de plus. Ouais, il m'appelle le monsieur. J'ai une carte de passe. J'ai l'ordre de laisser passer personne, presse ou pas presse. Presse ou pas presse ou pas le monsieur. Non, pas. Il a eu quoi? Lacrymo. Ça va aller? Il est tombé à nos pieds, il a une énorme balafre au niveau du front. Et voilà. Vous êtes secouriste ? Premier soin. Merci à vous. Merci à vous tous, c'est la crème de la crème des infernes.
monde se pose le chef. Par contre, le mouvement va continuer avec, comme tous les jours. Le 13, on vous rappelle, le 13 décembre, c'est le Black Friday. Donc ne venez pas à l'hôpital, pas de garde, pas de strap ou quoi que ce soit. C'est aussi un moyen qu'on a pour, via le mécontentement de nos têtes, dire qu'on n'est pas content de nous. Comme ça, ils gueulent, etc. Mais de gros ! Faut faire passer ! Et le 17 décembre, c'est à Paris, et le syndicat, évidemment, paye le train. Thank you.